Ce mercredi 24 mai, Michel Larocque était l'invité de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous. Pendant leur entretien, la comédienne l'a repris à plusieurs reprises puisqu'il semble qu'elle n'avait pas du tout les bonnes informations. Michel Larocque n'a pas hésité à reprendre Anne-Elisabeth Lemoine. Depuis le mardi 16 mai dernier, le festival de Cannes bat son plein à la croisette. Les montées des marches du palais des festivals et des congrès continuent chaque jour avec la présence de personnalités incontournables. Nathalie Portman, Lily Rose Depp, Marion Cotillard, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Scarlett Johansson, Virginie Efira, Lena Situation ou encore les Miss France Amandine Petit et Iris Mittenard ont largement marqué les esprits sur le tapis rouge. Ce mardi 23 mai, Michel Larocque a monté à son tour les marches du fameux Palais Cannois pour le film Asteroid City de Wes Anderson avec une invitée chère à son cœur, sa fille Oriane Deschamps. Michel Larocque reprend Anne-Elisabeth Lemoine qui a de mauvaises informations ce mercredi 24 mai. Michel Larocque était l'invité de la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine dans l'émission C'est à vous. Pendant son passage, l'animatrice a tenu à faire une rétrospective de la carrière de la comédienne pour les téléspectateurs. Mais la séquence ne s'est pas du tout passée comme prévu. En effet, Anne-Elisabeth Lemoine a tout d'abord affirmé que Michel Larocque avait décroché son premier rôle dans Le Marginal de Jacques Deray en 1983, mais cette information est erronée. Non, c'est faux, lui a tout de suite affirmé la comédienne en riant. Vous me confondez avec qui ? De son côté, Patrick Cohen a expliqué que ce genre de boulette constitue l'âme de l'émission. C'est une fausse info par minute. Une question à côté de la plaque par seconde, a continué la présentatrice pleine d'autodérision. Anne-Elisabeth Lemoine se trompe une seconde fois à propos de la carrière de Michel Larocque. Michel Larocque s'est alors amusé de la situation et lui a demandé si elle n'aurait pas échangé ses fiches avec celle d'Alessandra Sublet également présente sur le plateau. Michel, tu te calmes, a répondu l'ancienne animatrice de TF1, avec un grand sourire. Après cette séquence quelque peu gênante, Anne-Elisabeth Lemoine a continué de parler de la carrière de Michel Larocque. En se trompant une nouvelle fois. À 23 ans, vous débutiez votre carrière quelque part au cinéma, a-t-elle commencé, avant d'être tout de suite interrompue par la comédienne, 23 ans? Non. Ah non. Je suis arrivé à Paris à 24 ans. Et j'ai fait du cinéma pour la première fois, je crois à 29 ou 30 ans. À lire aussi mal accueilli lors de sa sortie au cinéma, ce film de Michel Larocque arrive en force dans le top Netflix.